Ce que je dirais, c'est que toute technique détermine des choses qu'on peut faire, qu'on peut montrer, et des choses qu'on ne peut pas faire et pas montrer. Et donc, toute technique donne envie de faire quelque chose. Quand on a inventé la peinture à l'huile, ça a certainement donné des idées aux peintres. On a trouvé le marbre du Carrare, ça a donné des idées aux sculpteurs. Quand Cartier-Bresson a eu son premier Leica dans les mains, ça lui a donné l'idée de photographier d'une certaine manière où le rectangle du cadre était une partie essentielle de la photo, parce que ça déterminait une composition. Et pour moi, quand pour la première fois j'ai eu un film couleur dans mon appareil, ça m'a donné des idées. Et quand j'ai acheté le petit appareil compact que j'étais dans ma poche et qui peut photographier de très près, ça me donne des idées. Donc, toute technique détermine des possibilités, donne des possibilités, et puis on les exploite. Donc, pour moi, le numérique est très bien, la couleur est très bien. Quand il y aura autre chose, ça sera peut-être très bien. Quand j'ai découvert le téléobjectif de 400 mm, donc très loin, tout à coup, ça a montré la réalité d'une autre manière. Tout peut être bon. La photo de mode, je l'ai faite pour des raisons matérielles. C'était une manière de gagner ma vie. Et aussi pour des raisons personnelles, parce que j'aimais bien voir des jolies femmes. Et donc oui, ça me convenait parfaitement. Ce que ne me satisfaisait pas, ce n'était pas tellement la mode, c'était les exigences de mes clients, qui n'étaient pas les miennes. Et donc, les photos qui ne sont pas des photos de mode, je n'ai pas des exigences de clients dont je dois tenir compte, en général. Voilà. Un devoir, je ne sais pas, mais une possibilité, oui, c'est certain que il y a beaucoup de choses dans ma vie que je n'ai pas photographiées et que j'ai du mal à retrouver. Alors que quand il y a une photo, je me souviens aussi de ce qu'il y avait autour, avant et après, évidemment.